Coucou tout le monde. Voilà, si c'est pas très agréable de faire du sport au milieu de la campagne, je crois que cet endroit vous le connaissez. La dernière fois, il gelait ou il neigeait la dernière fois que je suis passé là. En tout cas, voilà, avec les chevaux juste à côté. Et là, je patine un petit peu pour changer. Ça fait du bien. Bah, je suis allé jusqu'ici en patin. Je suis pas arrivé ici pour mettre mes patins. C'est un petit peu chaud parce que tu peux pas forcément. Là, je vais sortir de là. Mais bon, ce qui est un petit peu chaud, c'est que bah, sur la route, il n'y a pas de trottoir. Enfin, et donc, enfin, si, il y a des trottoirs, mais y a c'est des trottoirs où il y a de l'herbe à certains endroits. Donc je suis obligé de rouler sur la route. Mais voilà. En tout cas, je lâche pas, hein, comme je vous dis. Je lâche toujours pas les sports. Et je vais chercher d'autres endroits. Et je sais pas si vous avez pu remarquer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même pris du muscle. Depuis le temps, j'ai pris du muscle aux cuisses, au niveau des pecs et au niveau des abdos, ça commence à se dessiner. Ce qui est assez... Franchement, je commence à voir le résultat. Et je commence à avoir un meilleur souffle aussi. En fait, plus je fais du sport, plus ça devient facile pour moi. Enfin, quand je dis ça devient facile, je dis pas que je suis un pro de chez pro. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu fais du sport, plus le corps s'habitue et plus ça devient facile. Et plus tu progresses, bah plus tu vas progresser. Voilà. De toute façon, j'ai pas encore atteint mes limites. Je sais que je peux faire mieux encore. En tout cas, ça c'est une certitude. Voilà, j'aimerais bien me taper une bonne petite descente. Ça serait joli à prendre en vidéo. Très sympa. Regardez, attendez. Je vous montre un petit peu comment je patine. Il n'y a pas encore de descente. Hein. On va attendre un petit peu. Je ne veux pas couper la vidéo tout de suite. J'aimerais vous montrer que je suis capable de patiner dans la descente à fond. Ah, ça fait du bien. En fait, au début, c'est dur parce que ça faisait la première fois depuis des années que j'avais pas repatiné. En fait, je crois que c'est quand j'ai arrêté de faire du hockey que j'ai arrêté de faire du patin. Là, je les ai ressortis du garage. Et attends, il y a une voiture, faut que je fasse gaffe. Voilà. C'est parti. Hop. Bon bref, il y a encore une descente là-bas. Et après c'est plus facile. Mais même le fait de faire des montées en patin. Ah là là, c'est toujours les mêmes chiens qui me suivent à chaque fois. Regarde. Ça, c'est toujours les mêmes clébards qui ont l'habitude de me voir. Ce qui est chiant, c'est que voilà, là vous voyez, il n'y a que de l'herbe sur le trottoir.
Donc je peux pas forcément. Je peux pas forcément patiner sur l'herbe quoi. Pour courir ça va, mais pour patiner je peux pas. En fait, suivant si je l'ai fait en courant ou en patin, c'est les trajets ils sont différents. Ils sont différents. Je dirais pas que c'est plus facile ou plus dur, mais... Si ça peut en motiver certains d'entre vous... Parce que d'un côté, quand il y a une montée, c'est difficile en patin, mais... Dès qu'il y a une descente, après, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est après l'effort, le réconfort. C'est la récompense de pouvoir prendre la descente. Donc voilà quoi. Je vous ferai peut-être une vidéo un autre jour avec un montage où je patine, etc. Ce serait sympa. Voilà. Regardez-moi ça, je patine avec le paysage derrière de campagne. Je veux pas que ça soit trop long. Mais Ah, l'air frais. Ça fait un bien fou. Et vous voyez, j'ai toujours pas lâché. Hein. J'ai toujours pas lâché. Je suis toujours... Voilà. Quand j'étais petit, j'étais un petit peu foufou. Enfin, quand j'étais à l'époque où j'habitais en région parisienne, je devais avoir une dizaine d'années. Je m'accrochais à l'arrière des voitures pour me faire tirer en patin. Enfin, pour que les patins. En fait, je faisais comme dans Retour vers le futur, quoi. Je m'accrochais à la voiture pour éviter de pour être obligé de patiner. C'était hyper dangereux, j'étais inconscient, mais c'est vrai que des fois, quand on est gamin, on fait un peu des folies, des fois. Enfin bref, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je fais des kilomètres. Allez, j'ai pas tout filmé. Mais je suis allé un petit peu loin quand même, hein. Je me suis levé tôt. Voilà. Après je vais faire des abdos, des pompes. Je vais soulever des packs d'eau. Histoire de faire travailler mes pectoraux, tout ça. Voilà. Hop. Ah là t'as toutes les voitures qui veulent passer. Et vous voyez je filme en patinant. Comme ça, c'est moins chiant pour vous à regarder. Vous avez des jolies images à regarder. Regardez la route derrière moi. Je sais pas si je peux être considéré comme véhicule là. Est-ce que tu crois que si je vais dans vide dans une descente, est-ce que tu crois que je peux me faire flasher en patin? Ils mettraient quoi sur l'amende? Déjà, ils n'auraient pas de plaque d'immatriculation pour envoyer l'amende. Puis ils mettraient quoi sur l'amende? Flasher en patin à roulette? C'est ça, hein? Bon, les gens, je vous laisse admirer le paysage.
l'eau, la campagne. Et je vois les petits ruisseaux qui coulent. C'est la vie. C'est la vie qui décide, c'est la vie qui nous guide. Allez, ciao.